Dès l'instant où il invente l'outil à découper la viande, Habilis se nourrit mieux. Grâce aux protéines, son cerveau se développe et notre génie invente d'autres outils. Et grâce à eux, d'autres stratégies pour survivre. Quand Habilis a un objectif, il cherche une idée qui va lui permettre de l'atteindre. Mais pour savoir si l'idée fonctionne, il faut l'essayer. Alors on l'essaye. À moindre frais. Si ça fonctionne, généralement on le sait très vite. Alors on évalue. On mesure l'efficacité. Cette nouvelle façon d'utiliser nos méninges marque le début de l'action de l'homme sur le monde. L'avantage de ce mode de pensée, c'est qu'il est reproductible. Il rend toute découverte ingénieuse à la portée de tout le monde. Le savoir se transmet très rapidement par imitation. L'autre avantage, c'est qu'en passant de main en main, la technique se perfectionne. Enfin, avec le temps.